Oui, oui, c'est bon. Ouais, ça va. Et en fait, pourquoi le Real Madrid joue aujourd'hui contre le Real Valladolid. Est-ce qu'on ne peut pas continuer les mêmes compos qu'il a joué pour le premier match là? Est-ce qu'on ne peut pas jouer Bellingham en pointe, Mbappé, droite et Vinicius? Non, Mbappé est bien en pointe, non. Parce qu'avec Vinicius à gauche, Mbappé à pointe, Rodrigo sur le côté droit. Mais est-ce qu'on ne va pas jouer et Bram Diaz à la place de Rodrigo? Parce que Bram Diaz est à gauche, Rodrigo est à droite, il n'est pas bien là-bas. Non, Rodrigo est titulaire, parce que lui, il est le premier choix de Ancelotti. Mais souvent avec Arda Clair, lui aussi, c'est un vrai gaucher, c'est l'avenir du football du Real Madrid. Non, Bellingham en 10, est-ce que ça ne crée pas de problème entre ces trois attaquants-là? Parce qu'il ne parvient pas à se faire comprendre. Mais si Camavinga revient de la blessure, Tchouaméni sera sur le banc. Non, Tchouaméni, lui, il doit jouer parce que lui, c'est un 6. Est-ce qu'on ne va pas mettre Valverde sur le banc? Oui. Non, Valverde, lui, il ne mérite pas les points. C'est lui le meilleur joueur du milieu du Real Madrid. C'est bon. C'est bon, content. T'arrêtes, t'es Eh, t'es venu fou, quoi? Tu as commencé depuis quand tu as commencé à fumer? Hey. Mon frère. Attends, pas tu as dit quoi? Mais tu es fou? Je sais quoi? Tu as commencé à fumer? Imam, allons. Mais si Rudiger vient, Rudiger, lui. Et voilà, Joli. Qui doit mériter? Mais souvent, militant au flotte ici. Hein. Non, avec les trois là, je pense qu'Angelotti va trouver solution. Non, le Real mérite de gagner. Ouais. Non, on va gagner. Inch'Allah.